Après 3 semaines de compétition, le pays de Galles est pour l'heure la seule nation à avoir validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La 3e journée disputée le week-end dernier a néanmoins moins permis d'y voir plus clair et les affiches des quarts de finale se dessinent. Battue par l'Irlande au Stade de France, l'Afrique du Sud devrait ainsi se dresser sur la route des Bleus si ces derniers valident comme attendu leur première place face à l'Italie. Et à en croire l'ancien international irlandais Bernard Jackman, convaincu que le 15 au trèfle retrouvera les Springboks en finale, cette perspective ne doit pas réjouir les Bleus. Je pense qu'ils battront la France en quart de finale. C'est la pire équipe que les Bleus pouvaient affronter, a-t-il asséné dans le podcast The 42, ajoutant « Je ne pense pas que les Bocs sont aussi vulnérables que l'ont été les Blacks face aux Bleus ». Et l'ancien talonneur de pointer du doigt la principale faiblesse des troupes de Fabien Galthié. Si vous regardez l'attaque du 15 de France, elle n'est pas très percutante, a-t-il lancé. Elle est en fait très moyenne mais ils s'appuient sur leurs individualités pour trouver la lumière et ils sont évidemment difficiles à arrêter mais je pense que l'Afrique du Sud a suffisamment d'individualités qui peuvent rivaliser en termes de facteur X face à la France. Surtout si Antoine Dupont n'est pas là. Antoine Dupont devrait finalement tenir sa place mais en cas d'absence du Toulousain, Bernard Jackman se range à l'avis de Mourad Boudjelal et plaide pour le rappel de Baptiste Serin. Il est comme Dupont. C'est un incroyable facteur X et il a une incroyable confiance en lui, a-t-il justifié.